Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire un haul qui va mélanger plein de trucs. Donc premièrement la suite de mes soldes de l'hiver 2015, donc je vous ai déjà fait une première partie de vidéo et j'ai pas acheté grand chose de plus, donc j'avais pas de quoi vous faire une deuxième vidéo solde. Donc si vous voulez voir la première partie, je vous la mets en barre d'informations. Ensuite une deuxième partie où ce sera mes cadeaux d'anniversaire de mes 20 ans. Donc pour ceux qui me suivent depuis assez longtemps ou qui me connaissent dans la vraie vie, vous savez que mon anniversaire est au mois d'août, mais j'ai vu un de mes meilleurs amis le week-end dernier qui du coup m'a offert mes cadeaux d'anniversaire, donc j'ai eu des cadeaux d'anniversaire 6 mois après. Et ensuite j'ai quelques petites choses du site Né Jolie, donc voilà, je vais tout vous préciser au fur et à mesure. Donc on va commencer par ce que j'ai eu à mon anniversaire. Ça me fait trop rire de dire ça. Mon truc préféré que je voulais depuis trop longtemps, qui est trop beau, c'est un plateau qui vient de chez Maison du Monde. Vous avez peut-être vu cette collection, elle est vraiment trop belle. Vous voyez que le plateau il est immense et il est super beau, c'est des couleurs qui sont trop jolies, on voit pas du tout là. Et donc voilà, j'aime trop ce plateau, il est super grand et super pratique. C'est moi qui lui avais fait une liste, donc c'est normal que ce soit des choses qui me plaisent. Donc voilà, je suis vraiment super contente d'avoir eu ce plateau. En deuxième choix, et là bon, vous allez vraiment comprendre que c'était que mon anniversaire est en plein milieu du mois d'août, parce qu'il m'a acheté une fouta, parce que j'aime trop ça, même si tout le monde me dit à chaque fois que je m'essuie avec un torchon, j'aime trop ça, et du coup il m'a offert une fouta grise et vert d'eau, donc moi qui adore le vert d'eau c'est impeccable, on le voit un petit peu partout de toute façon le vert d'eau, donc voilà, sur une fouta qui est vraiment trop jolie, et donc il y a des petits fils comme ceci, elle est immense, je peux dormir dessus, il n'y a pas de problème, en long, en large et en travers. Donc j'ai pas encore enlevé l'étiquette parce que ben, j'attends cet été pour l'utiliser, elle est en coton et c'est un produit artisanal. Par contre je sais pas où il l'a acheté, parce que, enfin sur internet, mais je me souviens plus le site que je lui avais donné. Et ensuite, chose improbable, il m'a acheté une palette de maquillage. Donc la palette Sleek, la Osso Spéciale, c'est la 658. Donc pour ceux qui connaissent les palettes Sleek, elles sont comme ceci, en noir mat. Elles se commercialisent chez Sephora et vous pouvez les acheter en ligne. Et elle est comme ceci, elle est mais magnifique, je l'aime trop. Voilà, vous voyez mon trépied. Et les couleurs sont vraiment superbes. Donc tout ça c'est mat. Et après tout ça c'est irisé. Ça c'est un mat aussi. Je vous ferai un tuto bientôt avec pour la Saint-Valentin je pense. Et je vous ai mis plein de photos d'elle sur Instagram. Donc je vous mets ici mon lien Instagram, si vous voulez me suivre et voir du coup en avant-première que j'avais eu cette palette. Je la trouve vraiment sympa et pour ceux qui cherchent des palettes accessibles, parce que ça coûte il me semble 12 €, donc voilà c'est vraiment rien du tout. Et elles sont vraiment super bien, très pigmentées et les fards tiennent très bien. Donc ensuite je vais vous montrer ce que j'ai acheté dans la suite donc des soldes 2015. Donc je me suis acheté un haut qui est un haut d'été, je sais pas pourquoi j'ai un problème avec l'été en ce moment, j'achète que des trucs pour l'été. Donc qui est comme ceci. Alors là le truc est rouge, ouais, il est plus rose que rouge et il est vraiment très joli. C'est pas du tout des couleurs que je porte, mais je sais pas, j'ai trop craqué dessus. En fait je le trouve vraiment joli, derrière il y a des petits boutons comme ça, donc il est ouvert, enfin voilà vous n'avez pas trop pouvoir voir. Et je vais essayer de vous montrer ça. Et donc voilà, ici il est ouvert aussi, les petits motifs, un petit peu des petits motifs aztèques. Et là vous avez, je sais pas trop quoi comme motif, enfin vous le voyez. Et je l'ai acheté chez Bershka en taille S et je l'ai payé 12 €. Et sur le côté il est totalement en dentelle ici. Et voilà, je le trouve vraiment trop joli, il existait en blanc et je pense que je vais aller me le prendre, il est vraiment super joli, il est très ample et voilà, enfin je le trouve vraiment super beau et pour 12 €, je l'adore, surtout que je pense que du coup ça c'est une collection de cet été que je n'avais jamais vue. Ensuite je me suis acheté une paire de boucles d'oreilles chez Moa. Je suis gentille, je vous ai gardé le petit truc juste pour la vidéo, sauf que je les ai enlevés de dessus. Donc il y avait moins 50% dessus, elles coûtaient 4,99 € à la base, donc je les suis en gros à 2,50 €. Et elles se présentent comme ceci, ce sont des tout petits anneaux et je les trouve vraiment très belles. Je les mets très souvent en ce moment, voilà ça arrive à peu près vers là, et je les trouve vraiment très belles. Franchement j'adore ces boucles d'oreilles, c'est totalement le style que j'ai envie de porter en ce moment.
Ça, enfin, pour moi, c'est un peu le même style que celle que ma sœur, elle m'a offert. Au niveau de la longueur, en tout cas, elles tombent au même endroit et j'ai plus très envie d'avoir des énormes boucles d'oreilles. Et donc voilà, celles-ci, elles sont quand même assez fines et je les trouve assez jolies avec les petits détails. Et puis surtout pour 2,50€, il n'y a pas trop de quoi se priver. Si vous voulez aller chez moi, tout est à moins 50% pour les soldes, ça vaut vraiment trop trop le coup. Ensuite, me suis pris deux choses de chez Né Jolie. Et donc, c'est un foulard qui est comme ceci. Je sais pas ce que j'ai avec le rouge en ce moment, mais. Et ce foulard, je l'aime trop. Je l'ai recommandé une deuxième fois. Enfin, voilà, bref. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et en fait, il est un peu assorti au haut. Et il est, voilà, donc là, un peu plus clair. Il est enfin, beige, saumon. Et puis en bas, il y a des petits pompons. Il me semble qu'il coûte. Ouais, il coûte 12 euros. Et il est vraiment super joli. Enfin, moi, j'ai vraiment trop craqué dessus. Il est très grand. Et il est super doux. C'est de la très très bonne qualité. Et je me suis pris une petite éponge qui est dégueulasse. Je suis désolée. C'est n'importe quoi. Une petite éponge bah, comme ça, une éponge à maquillage. C'était des couleurs aléatoires et je suis tombée sur une noire, ce qui est totalement débile parce que c'est une éponge pour mettre du fond de teint ou de l'anti-cerne et avoir quelque chose de noir comme ça va être encore pire que dégueulasse que si on avait une éponge bah, basique, rose par exemple, comme les Blotty Blender. Mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, chez Né Jolie, si vous voulez commander, j'ai un code de moins 10% que je vous mets toujours dans la barre d'information. Honnêtement, ça doit être quoi, ma 10e commande? J'ai jamais eu aucun problème. Pour commander chez Né Jolie, c'est assez long. Le temps de livraison, faut pas être pressé, ça c'est sûr. C'est environ 3 semaines. Mais voilà, moi j'ai jamais été déçue. J'achète plein de petits accessoires, plein de bracelets, plein de colliers. Voilà, ce genre de choses, des foulards. Et je suis jamais déçue. Donc je vous mets ici le code de moins 10% et je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Si jamais vous voulez le code, de toute façon, sous toutes mes vidéos, je vous la laisse. Et ensuite, enfin, j'ai reçu du site Octoly, je vous avais fait une vidéo dessus, une base. En fait, je mets pas beaucoup de fond de teint et j'avais envie de tester une base. Donc, j'ai vu celle de SLA, je sais pas trop comment on dit cela, SLA. Et c'est une marque qui est quand même assez onéreuse parce que moi, je croyais que c'était vraiment pas cher et je suis allée voir après et en fait, elle est vraiment très chère. Et donc c'est une base comme ceci. Donc elle est base de teint lissante et matifiante, stabilise et améliore la tenue du maquillage. Améliore la tenue du maquillage, honnêtement je pourrais pas vous dire parce que moi c'est pas vraiment quelque chose que je porte tous les jours et c'est vraiment pas un produit à mettre tous les jours. Ça bouge quand même un petit peu les pores je trouve. Mais base de teint lissante et matifiante, ça mais oui, honnêtement je l'ai mise à Noël, non, au premier de l'an et ça fait un teint de poupée, ça lisse le grain de peau, c'est magnifique. Moi j'en suis très contente, après j'ai pas de moyen de comparaison parce que c'est la première que je possède. Mais voilà, j'en suis vraiment très contente. Le packaging est très sobre. Mais voilà, enfin j'aime bien. C'est la teinte 01 incolore. Et j'ai reçu aussi donc du site Octoly une huile dont je suis pas du tout. Enfin, c'est pas que j'en suis pas du tout satisfaite. C'est juste que j'avais jamais regardé le prix avant de la commander. Et honnêtement, j'aurais même pas pris la peine, je pense, de la commander si j'avais vu le prix que ça coûte. Ce petit flacon coûte 75 euros. Honnêtement, je trouve ça hors de prix. Ce sont peut-être des choses naturelles, mais 75 euros dans ça. Voilà, j'en vois pas l'utilité. C'est l'huile de matin. L'huile de beauté matin de chez Show Nature. Donc c'est une huile à appliquer. Vous voyez, c'est un peu le nouveau truc là, comme ça, avec une petite pipette. On dirait qu'on fait des expériences bizarres sur notre peau. Je l'applique et ça fait du bien. En tout cas, ça sent bon, ça débouche le nez quand on est enrhumé. Mais je ne vois aucun changement sur ma peau. Ça fait plus d'un mois que je la teste. Youhou, j'étais toute floue. Ça fait plus d'un mois que je la teste et je ne vois pas la différence. Donc honnêtement, je trouve pas que ce soit le produit révolutionnaire de l'année, surtout pour 75 euros. Voilà, je préfère être transparente avec vous et vous le dire. Donc voilà pour ce haul. J'espère que ça vous aura plu. C'était un petit peu de tout, comme je vous ai dit. Mes cadeaux de Noël, mes cadeaux d'anniversaire, le reste des soldes, Né Jolie, une commande Octoly. Enfin voilà, c'était plein de choses différentes. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez trouvé au solde en ce moment, ou si vous avez des choses que vous avez envie de tester en ce moment qui vous font envie. Je sais pas pourquoi, mais je suis super déçue. Je sais pas pourquoi ma caméra est toute floue tout le temps là. Je sais pas pourquoi, mais en ce moment j'ai plus très envie de. Enfin, il n'y a rien qui me fait envie. J'ai fait les soldes et j'ai rien trouvé quoi. J'ai trouvé un haut, une paire de boucles d'oreilles et un pantalon. Enfin,
Rien de très fou. Enfin, je trouve que c'est par rapport à d'habitude, j'ai pas trouvé grand-chose, donc je suis un petit peu déçue. Donc n'hésitez pas à me dire vous toutes vos envies du moment. Peut-être que ça va me motiver un petit peu. Je vous fais à tous de très très gros bisous. J'attends vos retours en commentaire et à bientôt.